Aujourd'hui, Montréal.tv dans le Vieux-Port de Montréal pour découvrir Infiltration, le premier concept de la nouvelle entreprise québécoise Trick Truck, un jeu immersif original, divertissant et complètement mobile. Parle-moi un peu du concept. Trick Truck, nous, ce qu'on fait, c'est du divertissement mobile pour adultes. OK? Fait qu'on prend des concepts de jeux qui existent ou on crée des nouveaux concepts, mais on les rend mobiles. Nous, on va aller vers les gens. On se promène partout à travers le Québec. Fait que ça prend pas beaucoup d'espace. Et surtout, au niveau énergétique, ça consomme pratiquement rien. Et on est sur génératrice. Fait que, nous, on est autonome. Et on veut se positionner aussi comme produit complémentaire. Fait que quelqu'un qui va sur le site d'un festival, par exemple, il nous voit sur le site. Nous, c'est 20 minutes. Ils rentrent, ils trippent, on les laisse sortir. C'est ce qu'on voulait, un produit facile à avoir. Et d'où est venue l'idée? Donc, moi, l'été passé, j'ai fait près de 100 entrevues avec des gens où est-ce que je leur demandais « Qu'est-ce que vous faites pour vous divertir? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qui manque en ce moment? Qu'est-ce que vous avez vu ailleurs que vous aimeriez avoir ici? » Moi, j'ai récolté ces données-là. Puis ce qui revenait, la tangente majeure, c'est que les gens, ils sortent encore, mais quand ils sortent, ils veulent étirer leur séjour. Ils vont dans un festival et veulent être là toute la journée. Bien, nous, on a créé ça. Fait que du divertissement mobile pour aller vers les gens. Des jeux pour adultes, il n'y en a pas beaucoup. Fait que nous, on est 14 ans et plus. Pas parce qu'il y a des choses dangereuses, mais juste parce que c'est un peu cérébral, tout ça. À chaque fois qu'on fait des tests, on reçoit des super bons commentaires. Fait que ça va toujours être en évolution. C'est ça qui est le fun avec ce projet-là. Donc, il y a 5 scénarios différents. Exactement. C'est des duos qui jouent. Donc, chaque histoire est indépendante. Mais nous, on est des tripeux de séries télé. Donc, il y a un deuxième niveau là-dedans, qui a une histoire master qui regroupe toutes les histoires. Mais chacune des pièces se joue indépendamment. On peut en faire une pour avoir du fun. Mais quand on en fait deux, là, on se met à triper. Et puis, tes impressions? Ben écoute, c'est vraiment le fun. C'est un bon rythme. Il y a une espèce d'adrénaline qui s'installe, mais c'est vraiment bien élaboré, c'est bien fait. J'ai fait les deux rôles, fait que je peux savoir vraiment toutes les émotions que ça comporte, en quelque sorte, ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je pense que c'est un jeu qui est le fun, c'est vite, c'est rapide, puis c'est stratégique, juste en masse pour avoir du plaisir. Comment as-tu trouvé ton expérience? J'ai vraiment adoré. En fait, j'ai encore plus aimé que ce que je m'attendais. Puis quand on sort de là, on a plein d'énergie. Donc, je suis encore sur l'adrénaline. J'ai adoré ça. Vincent, tu viens d'essayer le jeu. C'est quoi tes impressions? Pour vrai, c'est vraiment cool. Je pensais que ça allait être peut-être un peu plus facile que prévu, finalement. Écoute, j'ai fait les deux. Tu sais, t'es dedans, c'est immersif. Là, tu te dis, Colin, sont où les affaires? Tu essaies de trouver. Tu veux rentrer dans le 20 minutes, tu veux être capable de le faire. Tu veux pas faire comme Colin, je l'ai pas réussi. Puis quand j'ai fait la tour de contrôle, c'est là que je me suis rendu compte, oh, crème, je pensais que c'était facile, moi, pour elle. Puis c'était celui qui était en dedans qui était compliqué. Non, les deux, il y a un rôle équivalent. Là. C'est dur pour les deux. Puis moi, j'aime bien, là, tu sais, sur l'ordinateur, toutes les affaires que tu trouves, puis les jeux d'énigmes. Puis j'aime ça quand il faut que tu penses à quoi. C'est le fun, Colin. Puis c'est pour les adultes. Fait que, écoute, belle expérience, super cool. J'avais jamais vécu ça. Je le conseille à tout le monde. Comment était ton expérience? C'est non seulement super amusant, mais c'est cardio parce que tu veux tellement justement trouver l'énigme puis en aidant ton coéquipier aussi. Fait que j'ai fait moi les deux, mais c'est vraiment le fun. Pas si facile que ça? Non, pas du tout. C'est un super beau concept. C'est sûr que ça va marcher. Moi, je suis très physique, je suis sportive. Fait que c'est sûr que j'aimais mieux me ramasser de trouver l'énigme. Bouger. Oui, si j'avais pu monter comme ça tantôt, je serais grimpé dans la boîte, là. Mais c'est le fun d'avoir l'envers du décor quand même, d'être de l'autre côté aussi. Oui, effectivement. J'ai vraiment aimé ça, puis je le propose à tout le monde. C'est 14 ans et plus, bien, ça va vraiment amuser la nouvelle génération. Là. Les ados, ils vont triper, je pense.